Le 5 août 2023, Solagroup a ouvert son bureau physique en Équateur, dans la ville de Quito. Nos principaux partenaires de la région ont planifié cet événement depuis longtemps. En Équateur, le projet des moteurs de Younov se développe rapidement et de nombreux événements sont organisés l'un après l'autre. Par exemple, plus récemment, en juillet, sur le lac de montagne de San Pablo, la délégation de Solagroup a testé un bateau avec un moteur de type 7K. En juin, la première conférence en présentiel Solagroup en Équateur, une série de réunions ainsi que d'autres événements ont eu lieu. Pour les participants au projet dans ce pays, l'ouverture d'un bureau physique joue un rôle très important. Les gens voulaient pouvoir se familiariser avec la technologie et les documents du projet en direct, pas seulement en ligne. À présent, ils ont cette possibilité. Dans le bureau physique Solagroup, tout le monde peut voir le kit pour véhicules électriques et le moteur à bateau utilisant la technologie 7K. Les brevets et d'autres documents, y compris les rapports d'essai de la technologie ainsi que des brochures d'information. Au cours de la cérémonie d'inauguration, Pavel Filipov a organisé un tirage au sort en ligne de 3 packs d'investissement de 100$. Cet événement a rassemblé plus de 50 invités. Les invités ont particulièrement apprécié la décoration des locaux. Une ambiance énergique règne certainement là-bas. On peut dire que le bureau physique Solagroup inspire la confiance dans des perspectives d'avenir. La chose la plus importante, ce sont les tâches que ce bureau physique va résoudre. Dans ces locaux, des réunions individuelles de groupe, ainsi que des présentations pour les investisseurs, les partenaires du pays, mais aussi pour ceux qui envisagent de participer au projet, seront organisées. Le bureau accueillera également une école de partenariat et cela à l'initiative de Marta Crespin-Calderon, partenaire principal Solagroup en Équateur. Grâce à l'ouverture du bureau, toute personne en Équateur qui souhaite investir dans le projet ou développer son entreprise de partenariat sera en mesure de recevoir des conseils, de suivre une formation et même d'améliorer ses compétences professionnelles, ce qui contribue certainement au développement et à la promotion les plus efficaces du projet dans la région. Nous souhaitons à nos collègues équatoriens la réussite de ces objectifs.